Bienvenue sur la ferme S2A Group. Aujourd'hui, nous sommes encore arrivés sur la ferme pour vous montrer ce que nous faisons ici. Et j'ai fait un tour sur la ferme et je suis sorti pour voir ce qui se passe autour de la ferme. Et je suis en train de voir cet tas de bois. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des bois que nous avons sur notre terrain, que les gens ramassent et ils le vendent. Vous me direz que c'est pas beaucoup, c'est rien, ça peut nourrir son nom, mais c'est pourquoi il faut être vraiment vigilant, il faut suivre ce que vous faites, il faut suivre vos employés. Ça, c'est de l'argent en perte. Et on peut utiliser cet argent pour faire quelque chose. Mais les gens viennent le prendre gratuitement et ils vont s'en servir. C'est pas bien. Si vous faites le bénévolat, vous faites le bénévolat. Mais quand vous travaillez, il faut mettre du sérieux dans ce que vous faites. Ceci, on va les ramasser parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre ceci et de faire du business dans notre champ, sur notre dos. C'est pas bien. Et ce genre de choses, ce sont les réalités du domaine, les réalités de l'agriculture dans nos pays. Et vous devez veiller souvent à ces petits trucs qui vous feront perdre de l'argent. Ceci est par terre parce qu'ils sont en train de faire la voie, vous pouvez voir. On a eu la chance. Il y a une société qui a acheté un grand terrain devant nous. Pour nous, pour pouvoir avoir accès à leur terrain. Par rapport à cela, ils ont déterré certains de nos arbres. Ils ont déterré certains de nos arbres et ceci, ça fait de l'argent. On peut le vendre pour en tirer un peu de sous et nous aider à amortir les frais de la ferme. Et c'est ça que les gens viennent prendre gratuitement et vont en faire de l'argent à notre détriment. Donc, il y a des petites astuces. C'est le genre de choses auxquelles vous devez veiller. Auxquelles vous devez veiller parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ferme. Même des fois, vous voyez, il y a certains herbes qu'on peut utiliser dans la médecine, l'alimentation, autres. Si vous avez ça sur votre ferme, vous devez les exploiter. Vous devez arriver à exploiter tous les bénéfices que vous avez sur votre champ. C'est en faisant cela que vous pouvez faire de l'argent. À part ce que nous cultivons, comme maïs et autres, et à part l'élevage qu'on fait, on peut aussi tirer profit de ces petits bois, de ces tas de bois qu'on a sur le champ. Tu vois, la terre ne tombe jamais. Il y a des choses qui ne sont pas prévues, mais qui peuvent vous faire de l'argent quand vous avez une ferme. Donc, je suis arrivé, j'ai vu ces tas de bois et j'ai voulu faire une petite vidéo rapidement pour vous expliquer comment on peut encore tirer de l'argent, on peut faire de l'argent dans une ferme. Ça, c'est des sous que vous faites avec ces petits bois. Ce que vous avez à faire seulement, c'est de les couper, les entasser et de les vendre. Donc, la terre ne tombe jamais. Je vous encourage à investir en agriculture, en élevage et ces petits arbres que nous avons ici aussi pour vous faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent qu'on peut avoir en exploitant une ferme agricole dans nos pays. Donc, c'est cette petite vidéo que j'ai envie de vous faire par rapport à ce sujet. Et j'espère que les gens qui investissent dans la ferme, qui ont des fermes, vont faire attention pour amortir certains coûts. Donc, à la prochaine.